chose que vous m'avez demandé sur ma chaîne, c'est de ramener mon pote Verdose. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo ensemble. Bonjour. Salut Verdose. Bonjour à tous, comment allez-vous? Ça va les geeks ou quoi? Aujourd'hui, il fait beau, il fait chaud, on est en été. On a envie de mettre les maillots. Et donc on a décidé pour l'occasion de faire des boules de neige en été. Je sais pas si c'est une bonne idée, hein. Nous connaissons... Alors, ça s'appelle Snowball Battle Pack. En fait, c'est les créateurs du slime, qui ont fait ça. Ça coûte 5$, donc c'est pas cher. Ça se vend par pack. Dans un pack, tu peux faire à peu près 60 boules de neige. Et en fait, il faut juste cette poudre qu'on va mélanger à de l'eau. Ce qu'il faut faire, d'après la notice, il faut mettre le sachet dans un saladier et mettre 1,5 L d'eau et mélanger. Alors, toi, tu mets le sachet. Il neige. Et moi, je mets la bouteille, ok? Allez. Allez. J'ai mis la bouteille, quoi. En fait, il faut 1,4 L. Ok, attends, fais-moi confiance, ok? On va dire que c'est un crash test, parce que c'est à la mode de dire que c'est des crash tests, et au moins, comme ça, si ça crash, et ben... On a testé. On dirait le sirop pour la toux. Là, l'eau, elle devient un peu visqueuse. Ah, je sais pas si vous pouvez voir. Ça fait quelque chose de visqueux, un petit peu comme du slime. Wow. Ça fait un vrai gel, là. Il faut attendre un certain temps ou pas? Je sais pas, il y a marqué quoi sur le papier? Il y avait 3 lignes dans la notice, on l'a même pas lu jusqu'au bout. Mais c'est moi, parce que c'est marqué en anglais, je t'ai dit de le lire. Ah ouais, mais moi j'avais la flemme. Moi je suis pas anglophone. Hein. Ils disent pas en combien de temps c'est prêt, c'est censé être quasi instantané, donc c'est un peu bizarre si c'est le résultat final. Le truc qui est cool, c'est qu'on apprend que tu peux les jeter dans la rue et qu'elles vont se désagréger naturellement, ça va pas rester. S'il y a beaucoup beaucoup d'eau, en fait, ça se liquéfie complètement. Et regardez, on dirait pas vraiment de la neige. C'est vraiment super impressionnant, je trouve. C'est pas froid. En tout cas, l'intérêt, c'est que t'as pas besoin de le mettre au frigo ou en congélateur. Ça a pris en même pas une minute. Et j'ai vraiment envie de te jeter des boules sur toi, mais elles ne tiennent pas. Ouais, elles tiennent pas, c'est ça qui est dommage en fait. Regardez le fouet. Regardez, il y a la neige à l'intérieur. Bah, tu vois, ah là, ça tient un peu plus, on dirait. Quoique, bah en fait, non. On refait un petit peu de boules de neige histoire d'en avoir un peu en rab, un peu en stock. Et puis après, on va faire la bataille des boules de neige. Et là, ça va être dégueulasse. Surtout pour toi, il va prendre cher. Et on va tout de suite vous montrer la réaction chimique qu'a cette poudre avec l'eau. Et on trouve ça trop marrant. On a la poudre, on rajoute l'eau. Et regardez, vous allez voir, l'eau, elle va se faire absorber directement. Et en fait, là, il n'y a plus d'eau. Vas-y, remets-en. Regarde. Et ça va se faire absorber et ça... Et ça gonfle direct. Ouais, ça gonfle direct. C'est ouf. Et là, on fait une autre expérience. On a mis 2 sachets au lieu d'un pour 1,5 L d'eau. On va voir si ce sera plus solide ou pas. C'était pas le bon plan. On a du slime, là. Ah ouais. Là, ça ressemble pas du tout à de la neige. Ça ressemble plus à du gel. À du gel, ouais, c'est vrai. Et là, regarde. On l'a, notre boule. Ça va, elle tient. Elle s'est prise un peu, mais elle tient mieux. Tu nous donnes des instructions, on les suit pas, et on arrive à un résultat encore meilleur. Comme quoi, ne pas suivre les instructions? Non, parce que d'habitude, moi, je suis pas les instructions, mais le résultat, il est pire, quoi. Et là, on l'a, notre boule. Exactement. On va pouvoir se jeter des boules sur la tronche, mon gars. Maintenant, on va juste vérifier si effectivement, c'est bien biodégradable. À ce qui paraît, si on rajoute de l'eau, tout va disparaître. Et attention. Ouais, ça se liquéfie. C'est validé, très cher. Par contre, le truc chiant, c'est qu'il va falloir tout nettoyer. Content? Ouais. Mais quel... En plus tu t'es trop loupé, mec. En plus j'étais en train de me curer le nez, quoi. Tu serais pas plus à l'aise sur le balcon? Non, je serais pas plus à l'aise sur le balcon. Non, et la vie d'ailleurs, tu fais ça sur ton canapé, tu vas le regretter tout de suite. Je fais une vidéo, ça tourne mal. Non, mais casse-toi. Ah, le bâtard. Ah, le bâtard. Je suis bien sur ton canapé. Non, pas le cas. Mon gars. Mais j'ai plus d'aspi, il fonctionne plus. Ah, c'est pas mon problème. Mais non. Juste pour des vues, ce qu'il fait, il met un truc dans l'oreille. Ça se trouve, c'est chimique, je vais perdre l'oreille. Il y avait comme un beat, c'est. Ça se trouve, c'est chimique, je vais perdre l'oreille. Je suis qu'une putaclic. Pas besoin de conseils. Ouais, gros, para para. On aurait dit que t'avais fait para papa papa. Abonne-toi. Voilà, bim. Oh, bâtard. Allez, mon gars. Ah non. Ah. Oh, attends. Désolé. Y'a quelqu'un? Non. Voilà, voilà les dégâts. Bravo Quentin, j'espère que t'es très content de toi. Voilà, on s'y attendait. Super. Dans ton oreille. Hey, y'a de la place dans ton oreille, c'est un appartement en gros. C'est pour ranger mes boules de neige. Moi en hiver, je les mets dans mes oreilles. Et après je viens de me battre, je fais hop. J'en peux plus de lui. On a tous les deux un saladier de neige. Moi j'ai le tout premier, lui il a celui qu'on a fait avec les 2 sachets. On a revêtu aussi des lunettes caméra. C'est de la marque TKY, je vous les présenterai prochainement dans une autre vidéo. On est chacun sur un overboard et on va devoir se tirer dessus à tour de rôle. À tour de rôle pour pas que ça soit trop le bordel. Et on tire pas sur la caméra, bien entendu. Et du coup là, ils doivent avoir en vue caméra embarquée. Exactement, là normalement on te voit bien. Ouais. On te voit bien. On n'a pas fait nos boules à l'avance. La forme elle tient pas énormément en fait. On ne tient pas du tout, j'ai envie de dire. Mais bizarrement, quand je mets ma main dedans et que je l'enfonce et tout, j'ai une sensation vraiment de neige. En plus ça garde la forme, c'est assez drôle. Allez, t'es prêt Verdose? Allez, vas-y, te réfugie pas devant la cam. Hein. Oh, non, tu mourras pas. Ah. Hé hey, Quentin. Ça fait pas des boules, mais on dirait vraiment de la neige.
Alors là mon gars. Là j'ai une belle boule et elle est pour Quentin. On a eu sa tête. Le bol est vide, hélas, c'est parti trop vite, on aurait dû en faire plus et j'ai pas vu les 60 balles. Ah bah bon là par contre on a vraiment fini les geeks. Alors déjà ils ont menti sur les 60 balles de neige. Ouais on en avait pas 60. On avait pas 60, il m'en restait un petit peu et je me suis loupé, c'est pas grave. Je te déteste. Je savais pourquoi je revenais plus sur ta chaîne YouTube faire des vidéos avec toi, mais maintenant je suis au courant. Bonne tour, laisse un like et abonne-toi. On n'a pas les 60 boules, on a la sensation au toucher d'avoir de la neige, ça c'est vraiment cool. Par contre elles tiennent pas assez. Elles tiennent pas assez, elles sont pas assez compactes en fait. Ouais malgré nos deux tests. Effectivement ça se dissout dans l'eau, ça c'est cool. Donc en fait on a rien sali, dès qu'il va pleuvoir tout va partir. Malgré tout chez moi je peux vous dire qu'on en a foutu partout. Bon en tout cas c'était vraiment cool, malgré que bah Adrien m'a encore piégé, je suis venu encore une fois ici pour me faire laminer et en plus j'ai de la matière gluante sur moi quoi. Et qui c'est qui a gagné la bataille? Bah, je pense que c'est toi en fait hein. Moi j'en ai vraiment pris plein la gueule mec. Vous savez quoi, vous dites en commentaire qui a gagné la bataille. Exactement. Quentin ou moi. Bon en tout cas j'espère que vous avez apprécié la vidéo comme toujours, n'est-ce pas Quentin? Oui bonjour. Au final vu le prix des boules de neige, 5$, ça vaut peut-être le coup de les tester, voilà. Si vous avez envie de vous marrer un petit peu à la plage ou quoi, ça peut être sympa. Ça aurait été un peu plus cher, je pense que je vous l'aurais déconseillé. Et ce qu'il y a de bien aussi c'est que ça demande pas énormément de préparation, il suffit juste de l'eau quoi en fait. Ouais j'avoue, ça c'est cool. Là nous on va aller filmer une vidéo pour la chaîne de Verdo, je vous mets le lien de sa chaîne dans la description. Vous allez vous marrer. Ah bah là franchement c'est carrément pire que ce qu'on vient de faire. Et là on passe un petit dodan en overboard, on n'a plus l'habitude. Bon en tout cas on aime bien toujours faire nos petites bêtises à deux. Et si vous aussi vous y kiffez, bah n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. N'oubliez pas que c'est vite un jeu alors. Amusez-vous bien. Ciao les geeks. Ciao.